Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur AC Odyssey pour une nouvelle vidéo. Nous avons quitté Athènes qui est complètement ravagée par la peste et nous nous dirigeons vers Naxos pour enfin retrouver notre mère. J'espère qu'elle est là, puisque là franchement, non mais je veux voir les retrouvailles entre Cassandra et Myrine. Je pense que ça va être vraiment un moment important dans cette aventure. Et donc clairement, j'attends que ça depuis plusieurs épisodes. Donc j'espère vraiment qu'on va retrouver Myrine à Naxos et qu'on va un peu voir les retrouvailles dans cet épisode. Voilà. Donc on arrive dans 500 mètres. On est sur une petite île, encore une fois. Et vous savez très bien que j'adore les îles. Donc on va pouvoir essayer de faire peut-être tous les quêtes de l'île. Je sais pas, ça dépendra de ce qu'on nous donne à faire. Allez, on est arrivé. Allons-y. Île de Naxos. Vigne de Dionysos. Donc Dionysos, le dieu du vin. On va directement aller prendre les contrats. Hop, hop, hop. Bon, mais là, on va forcément retrouver notre mère. La quête, elle s'appelle Retrouver Myrine à Naxos. Non, elle s'appelle Les prières d'une mère. Et on doit retrouver Myrine à Naxos. Donc on va forcément retrouver notre mère. Mais oui. Ah, ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'être à la place de Cassandra et j'ai cette boule au ventre. Comme si j'allais vraiment retrouver ma mère. C'est... Je ne me laisserai pas intimider. Elle est là. Qu'on remplisse les casernes et qu'on double les patrouilles. Si c'est Paros qui les envoie, je veux être averti de leur débarquement. Oui, Archonte, je t'en prie, Persis. Les marchands. Je comprends vos préoccupations. Mais le principal est de protéger la ville et les carrières. Disposez. Le stress. Ça me fait bizarre, ça me fait bizarre, ça me fait bizarre tout ça. La réunion est terminée. Cassandra. Comment? Chaque fois que je ferme les yeux, je te revois tomber. Je croyais t'avoir perdu. Alexios est vivant. Ils le tiennent, n'est-ce pas? J'ai rebâti ma vie à partir de rien. Te rends-tu compte? Et aujourd'hui, tu me dis que tu es vivante. Que vous êtes vivant. Ah, mais c'est vrai, ça. Elle vient d'apprendre en quelques secondes que ses deux enfants sont vivants. Vous imaginez même pas le bonheur que ça doit procurer. C'est toi, c'est toi. Ce n'est pas un mauvais tour joué par les dieux. Non, je t'ai retrouvée. Vous voulez me faire chialer. En ce début d'épisode, vous voulez me faire chialer. Ton frère. Nous devons le ramener. Il est déjà trop loin. Je me suis résigné une fois. Mais plus jamais. Ok. Donc Myrine, elle va essayer de sauver. Elle va essayer de sauver Alexios. Qu'est-ce que Comment as-tu... Sauf que ça va être un peu compliqué. J'ai beaucoup de questions. Moi aussi, je crois. Mais vas-y, je tâcherai de te répondre. Ah, c'est cool. Alors, qui est mon père? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un choix ou on va pouvoir lui reposer l'autre question? J'ai trop envie de lui demander qui est mon père, en fait, directement. Je veux savoir qui est mon vrai père. Comment l'as-tu appris? On me l'a dit. Nikolaos, tu l'as vu? En Mégaris, oui.
Nicolaos était ton père. C'est lui qui t'a élevé. Oui. Jusqu'à ce que son devoir de Spartiate l'emporte. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? J'ai toujours espéré que tu ne découvrirais pas la vérité. Mais il y a des choses que tu dois savoir si nous voulons en finir avec le culte. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, c'est un membre du culte? Il m'a cherché avant de rencontrer ton... Enfin, Nicolaos. Je suis sans nouvelles de lui depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, non, elle est juste... Les soldats de Paros viennent de débarquer dans la crique. Un petit détachement, une douzaine peut-être. Malaka! Timo, rassemble les hommes. Tes questions vont devoir attendre. Oh mais non! Je veux vous aider. Tu sais donc te servir de ces armes. Mieux que la dernière fois que tu m'as vu. Parfait, viens. Je vais... Qui nous attaque? Tellement de questions encore. De votre côté de la mer. Apparemment, si l'anneau s'en a assez de partager le marché du marbre. Calme-toi. Ça a toujours causé des ennuis. Je m'attendais à une attaque, mais pas aussitôt. J'imagine qu'il n'est plus question de discuter. Les alliés oublient souvent leurs promesses quand une occasion se présente. Du coup, ma mère, c'est la dirigeante de cette zone. C'est toujours bizarre de voir le logo dirigeant. T'as l'impression que t'as la possibilité de la tuer. J'ai pas compris par qui on se faisait attaquer en fait là. Pourquoi coopères-tu avec Sparte malgré ce lourd passé? Paros a conclu une alliance avec les Athéniens. Paros, d'accord. La guerre laisse le choix. Il te fallait un appui. Ce qui n'était qu'une rivalité s'est transformé en guerre. Son alliance avec Athènes a fait de Naxos un agneau bon pour le sacrifice. D'accord, je vois. Paros sont avec les Athéniens. Et donc forcément. Elle a été obligée de s'allier avec les Spartes, sinon ça aurait été un peu trop compliqué pour lutter contre eux. Ils sont où du coup? Tu es les soldats de Paros? C'est eux? Et c'est eux? Ouais, c'est eux, je pense. Eh ben écoutez, il y a du monde. Bon, ça va être chaud d'être discret à vrai dire là, puisqu'il n'y a pas énormément d'endroits pour se cacher. On va essayer de... Non mais je vais directement sauter sur eux, hein, je vais pas m'emmerder. Je peux pas les avoir de là? Allez, let's go. On enchaîne tellement facilement. En vrai, cette compétence elle est beaucoup trop forte. Mon dieu, la façon dont on a enchaîné les ennemis, c'était sublime. On a pu le faire plusieurs fois parce qu'on n'était pas encore repéré, du coup on a pu relancer la compétence. Est-ce que ma mère, elle se bat bien? J'ai pas fait gaffe. Ah, là, tu regardes à elle toute seule. Putain, un balaise ma mère. Je comprends pourquoi je suis aussi forte. Ah, ça me fait chier, on sait toujours pas c'est qui notre père. Eh, reviens là, toi, il est en train de se barrer, le mec. Eh, reviens là. Reviens là, mon gars. Rien du tout. Oup. Non, pas ici. Ces îles ont toujours été rivales. Après tout, Naxos a contrôlé Paros et Andros autrefois. Et il nous a... Andros, la force des fruits. Ils méritaient de s'étendre. Leur oligarque exige qu'ils déploient leurs aides. Ce mec est youtubeur. Mais nous les couperons avant que ça n'arrive. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu me rappelles Nicolaos. Tu te bats comme lui, impitoyable et rusé. Il serait fier de... Elle me parle trop de Nicolaos. Moi j'ai vraiment envie de savoir qui est mon vrai père. Même si lui ça n'a pas empêché d'être mon père puisqu'il m'a élevé. Mais moi je veux savoir qui est mon père biologiquement. T'as pas l'air de comprendre maman là ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure. Nicolaos a peut-être tenu le rôle du père, mais il ne l'était pas. Il a essayé de me tuer. Il a eu tort d'agir ainsi, Cassandre. Je l'ai haï pour ça. Mais il t'aimait à sa manière. Ça, je peux te l'assurer. Ouais. Bon, alors,
Bon, on ne peut pas savoir qui est notre père, apparemment. Elle a pas envie de nous le dire. On le saura peut-être à la fin, je sais pas. Alors du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé en Argolis après cette nuit-là? J'ai retrouvé ton frère et je l'ai amené à un jeune apprenti médecin, Hippocrate. Je croyais t'avoir perdu. Je n'étais pas prête à vous perdre tous les deux. Je lui ai parlé il y a peu. Cette nuit le hante toujours. J'ai eu le cœur brisé quand les guérisseurs d'Asclepios m'ont dit qu'Alexios était mort. Vous deux, vous étiez toute ma vie. Mais ils t'ont menti. Il a survécu. Ils ont dû comprendre qu'il n'était pas comme les autres. Et le confier au culte. Ouais. Ah, ils se servent de lui, quoi. On ne peut plus le sauver, nous allons le ramener. On va essayer d'être confiant en lui disant nous allons le ramener. Mais vu comment il était atteint et tu sentais qu'il avait une haine en lui, ça va être très compliqué. Nous le reprendrons au culte, mère. Nous le ramènerons. On va essayer. Le culte est perfide. Une fois qu'il a planté ses griffes, il ne lâche plus sa proie. Ah bah non, en fait. Je ne puisse pas le sauver. Je t'ai bien retrouvé, non? Je sais qu'ensemble, on peut le sauver. Elle pense totalement l'inverse, du coup. Je pensais qu'elle aurait été confiante. Qu'elle aurait dit oui, on va pouvoir le sauver. Mais non, apparemment non. Que veut le culte? Je ne comprends pas pourquoi le culte s'attaque à notre famille. Les raisons ne manquent pas, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? Nous voilà réunis, la question est plutôt, qu'est-ce qu'on peut leur faire à eux? Ils ont peur. Cela fait des générations que notre lignée est une épine dans leur flanc. À leurs yeux, le succès de leur projet exige notre élimination. Nous devons reformer notre famille. C'est là que tu vois que ça a quand même une liaison avec les assassins, puisque ce sont les ancêtres des assassins. C'est juste que la confrérie n'était pas vraiment encore créée. Bah, elle se crée dans Origins, hein, ça, vous avez tous vu mon let's play sur Origins, bien entendu, hein, jusqu'à la fin. Et voilà. S'ils ont peur de notre famille, donnons-leur raison. Et unissons-nous. Beaucoup ont tenté sans succès de les éliminer. Mais nous sommes différents. Là où ils ont échoué, nous réussirons. C'est bien ça, Cassandra, elle a la... Je sais que tu as fui Sparte. Mais comment es-tu arrivée sur cette île? Je ne pouvais plus rester auprès de Nikolaos, pas après ce qu'il avait fait. Je devais quitter Sparte. Mais pourquoi ici? J'ai vu une occasion d'aider, de bâtir quelque chose. J'ai été élue pour diriger et protéger cette île de ceux qui veulent détruire ce que nous avons construit. Tu as réalisé... des choses incroyables. Naxos a de la chance de t'avoir à sa tête. Il a fallu surmonter des obstacles. Mais je suis fière de ce que nous avons fait. Dommage que tous les dirigeants ne te ressemblent pas. C'est bien vrai, ça. Bon, continuons cette discussion ailleurs. Loin de l'odeur de la mort. Viens avec moi. Ça me fait trop plaisir, en tout cas, de pouvoir parler... Pouvoir parler à la mère de Cassandra. C'est vraiment trop cool. Parce qu'on attendait ce moment-là depuis le début de l'aventure et là d'en apprendre un peu plus, d'être rassemblés, de voir que Cassandra elle est plus seule et qu'elle va pouvoir avoir l'aide de sa mère. Sparte n'est rien comparé aux c'est trop bien. Sparte. La seule chose dont je me souviens, c'est le pied du mont Aigéthos. Tu étais encore petite quand je t'ai présentée à la Pitié. Elle n'a pas prédit cette vie. On va croiser un mercenaire au même moment, quoi. La pitié ne peut pas tout prédire. Oh, je m'en fous. Ah non. Ah non, ma mère veut se battre, hein. Bon bah écoutez, si ma mère veut se battre, on va y aller, hein. Touche pas ma mère. J'ai dit, tu touches pas. Ah ma mère, j'ai dit. Oula, il est puissant lui. Puissant ce con. Je veux dire que ma mère, je vais pas la laisser mourir, hein. Vu comment j'ai galéré à la retrouver. Oh, attendez, mais il y a même les paysans qui m'aident. Il y a les paysans qui sont en train de m'aider. Alors, je pense qu'on va se battre à distance. Je suis désolé, mais là c'est la galère. Oh là là. On prend trop de dégâts. Merde, j'ai pas vu sur le côté. On est en train de tuer des paysans au passage, c'est pas grave. Allez. Non, ça va pas le faire ça. Ah non, je vais mourir. Allez. On va y arriver, hein.
Laisse-moi tranquille, toi. Non, laisse-moi tranquille. Allez, crève. Non, 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 non. Oh, mais non. Ah, mais non. Mon Dieu. Alors, cette mort, je vais la laisser parce que je m'attendais vraiment pas à mourir ici. J'étais tellement dans le... Non, mais... Nul à chier. J'étais nul à chier. Et voilà. Mais pourquoi m'emmerder quand je suis sur une quête principale? Je suis tranquillement avec ma mère. Et là, Myrine vient de perdre son enfant devant ses yeux. Alors qu'elle venait... Elle venait de retrouver Cassandra. Vous imaginez l'horreur? Ah, mon Dieu. Ah, putain, mais ils sont encore devant. La seule chose dont je me souviens, c'est le pied du Mont Aigetos. Tu étais encore petit. Je vais passer ailleurs pour voir. C'est bon, regardez. J'ai fait le tour. Voilà. Comment j'ai esquivé le mercenaire? Et vous savez quoi? Je vais regarder la carte et je vais payer les primes. On est bourré de thunes, on a 46 000 drachmes. Comme ça, au moins, je me fais pas chier. Mon général a donné l'alerte sans tarder. Timo sait que Varos est une menace. Ils ne cachent pas leur jeu. Difficile d'être plus clair qu'en envoyant des soldats. Il n'existe pas de traité? S'il y en a eu un, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les habitants de cette île sont devenus nos ennemis. Des ennemis que je pourrais t'aider à vaincre. Ils en reparleront plus tard. Mais je crois que tu as. Allez! Elle est sympa cette île. Hein. Elle est sympa. Le temple prend forme, Evandros. Certes, mais il restera en ruine si l'on n'obtient pas d'autres dons. Tout ne peut pas aller toujours aux soldats. Il le faut pourtant, si l'on ne veut pas que le temple soit détruit par l'ennemi. Mais je verrai ce que je peux faire. C'est une bonne chose de relancer la construction. Ligdamis fut un grand homme. Il mérite qu'on cultive son souvenir. Son combat contre la corruption et l'oligarchie est une leçon à garder en mémoire. J'ai l'intention d'achever ce temple. Merci, Félix. Sera bien placé le temple, en tout cas, là. Parfait, hein. Ça a été une journée peu banale. Mais une bonne journée. J'en ai connu depuis, oui. Moi aussi. Tu es devenue une femme remarquable. Mais je sens le poids du fardeau que tu portes. Il s'est allégé depuis que je t'ai trouvée. J'en suis heureuse, mais je me demande pourquoi les dieux ont choisi de nous réunir. Pour que nous fassions disparaître le culte, à jamais. J'aimerais que ce soit aussi simple. Tu es forte, mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est au culte que nous devons nos souffrances. Et d'autres subiront le même sort, si nous n'agissons pas. J'ai laissé cette vie derrière moi quand j'ai quitté Sparte. Aujourd'hui, mon souci, c'est Naxos. Alors laisse-moi t'aider. Quand Naxos sera hors de danger, nous traquerons le culte ensemble. Myrine, le banquet est sur le point de commencer. Par les dieux. Désolée, mon enfant, j'avais oublié. Prépare les chevaux, je ne vais pas tarder. Le banquet? Je dois montrer au peuple que celle qui le dirige est forte et à son poste. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière le masque. Je t'aiderai à combattre, mais avant de quitter Naxos, je dois m'assurer que l'île ne craint rien en mon absence. De quelle manière? Il faut s'occuper de Paros. Nous devons affaiblir sa position. Sa vulnérabilité la poussera à l'imprudence, et c'est là que nous frapperons. Et comment comptes-tu faire? Nous devons amener la flotte de Paros à nous attaquer et la détruire. Mais je n'ai plus d'amiral. Aeneas s'est rendu à Paros pour des pourparlers de paix. Et il n'est jamais revenu. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. Si tu as besoin de moi, je serai au banquet. Mais essaie de paraître moins martial si tu viens me rendre visite. Ne t'inquiète pas, je vais mettre ma petite robe sexy. Tu vas kiffer. Très bien. Alors, on va rester pendant un moment sur cette île, je suppose, puisque si on doit libérer Naxos des ennemis, ça va prendre un peu de temps.
et nous venons de monter level 24. J'ai l'impression qu'on gagne pas mal de level hein, en ce moment. Hein. On gagne un level. Bon, après, on gagne un level par vidéo. Donc, c'est à peu près ce qu'on gagne depuis le début, finalement. Alors, aptitude. J'ai bien envie d'acquérir, du coup, l'aptitude de guerrier. Manipulation du feu digne d'un pyromancien. Accumulation incendiaire accrue de 25%. C'est la même compétence? Ah, c'est juste une augmentation? Je vais tester. Attendez. Je vais bien regarder parce que j'ai pas envie de me tromper. Oui, donc c'est bien une amélioration cette fois-ci. Donc là, c'est beaucoup plus efficace. Très bien. Vous êtes proche d'une cible non suivie. Quoi? Je dois scanner quelqu'un là-bas? Aussi loin que ça? Trouver et libérer Eneas. Il est où? J'ai pas trop compris, mais d'accord. Donc on va devoir libérer Eneas. Donc Eneas, c'était le un des commandants. Un des commandants qui était avec ma mère. Paros, ils sont là. Naxos, ils sont là. D'accord. On a Mykonos. Cassandra, Mykonos. Donc on a Mykonos, on a Delos, Chaos, Andros, Skyros. Ils aiment vraiment beaucoup les os. Hein. Kos. Donc on a toutes les îles ici. D'accord, sympathique. Donc on va d'abord aller récupérer le téléport tout en haut. Ensuite, on a Myrin qui a une quête à nous donner. Ici, on a une quête. On a beaucoup de quêtes à faire, donc on va pas hésiter à faire tout ça. Et on va aller voir un forgeron également. Bah, je vais aller voir le forgeron maintenant. Comme ça, au moins, ce sera fait. Il se trouve où, le forgeron? Il est là-bas, 60 mètres. On va aller voir le forgeron maintenant. On vient de passer level 24. C'est un moment de faire un petit rafraîchissement de notre inventaire. Je pense que je vais beaucoup aimer cette île. Ça va me plaire. Alors, inventaire, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? J'ai pas mal de cuir souple, enfin j'en ai pas mal. Il y en a qui me diront, ouais 439 c'est pas ouf, mais pour moi c'est pas mal parce que, à vrai dire, j'ai beaucoup de difficultés à récupérer du cuir. Alors déjà, on va démonter tous les objets merdiques. Enfin les objets merdiques. Les objets le plus bas level, massulot, bâton, lance... Alors, j'ai bien envie d'augmenter les dagues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter. Et je vais garder les dagues épiques. Et on va essayer de les améliorer. On va voir. Je vais garder qu'une arme. Hein. Moi, ça me dérange pas d'avoir qu'une arme. À vrai dire, je switch rarement d'armes. Ici, on a un casque level 21. J'ai bien envie aussi de garder le casque de héros de guerre spartiate. Je sais pas combien ça va me coûter pour l'améliorer, mais je pense qu'on va pouvoir l'améliorer. Ça se trouve, je vais pouvoir rien améliorer, je vais bien avoir l'air con. Ici, on a du coup des brassards level 22. On va équiper ça. Faut surtout essayer d'améliorer en fait le stuff violet et le stuff légendaire. Ici, on a un plastron épique. Yes, ça c'est cool. Voilà. Ici, on a du coup une ceinture bleue. Les bottes level 24. Au niveau de l'arc, on a un arc level 22, mais il est forcément plus nul que l'arc level 21, donc on va garder l'arc légendaire. On va tout enlever, on va garder l'arc légendaire level 21. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ok, je pense que c'est bon. Donc du coup, on va regarder un peu ce qu'on va améliorer. Je pense qu'on va améliorer, on va améliorer mon casque et on va améliorer mon épée. Alors, combien ça coûte? Ok, alors ça coûte pas mal de... Oh là là, mais ouais, mais en fait, ça coûte énormément de fer, quoi. Parce qu'en fait, le cuir souple, ça va. L'obsidienne, ça va. Et l'argent, ça va. Et surtout le fer qui va me... Et là, je peux améliorer le casque. On va améliorer le casque, ouais. Le casque, je le kiffe beaucoup trop. J'ai tellement envie de le garder, en fait. Bam! Casque légendaire level 24. Du coup, là, je pourrais pas améliorer le couteau de chasse, puisqu'il me manque à peu près... un peu moins de 100, du coup, de fer. Que je pourrais améliorer autre chose. On peut améliorer l'arc. Est-ce que je peux améliorer le plastron? Je peux améliorer le plastron. On va améliorer le plastron. Améliorer les objets bleus, ça me plaît pas trop, à vrai dire, d'utiliser des composants pour les objets bleus. Et je peux améliorer l'arc. Et on va améliorer l'arc. Voilà.
Bon, du coup, la seule chose qu'on n'a pas améliorée, c'est les dagues. C'est dommage puisque c'est un peu. un peu l'amélioration qui m'apporterait certainement plus de dégâts. Très bien. Alors, on va rajouter du coup des bonus. Là, donc, du coup, je peux encore rajouter des améliorations. On est d'accord sur l'arme. Est-ce que du coup je l'améliore? Est-ce que je vais pas débloquer une autre arme plus tard? Non, on va pas l'améliorer. On va plutôt rajouter des améliorations par exemple sur le casque. Tiens. On a des améliorations level 3. Donc là, je peux rajouter par exemple les 6% dégâts d'assassin. On est d'accord là que du coup, le casque a deux améliorations. Ou alors j'ai remplacé. Ou alors il en avait pas. Il en avait peut-être pas. J'ai pas fait attention. Très bien. Le buste. En fait, on a l'impression que. Alors attendez, j'ai plus 6% de dégâts d'arme lourde. Est-ce que là ça remplace? J'ai pas fait attention en fait sur l'autre. On va réessayer. Je vais prendre le plus 6% de dégâts d'assassin. Ah, ça rajoute bien, d'accord. Quand il y a un emplacement, ça rajoute. Bon, on va faire ça sur tous les équipements. Hein. Plus 8% de dégâts de feu. Ça, c'est excellent. Les dégâts de feu, plus 6% dégâts d'assassin encore. Et là du coup on a à peu près tout amélioré. Il reste les bras. Plus 12%. Ah mais j'ai plus assez de... Ouais bon je peux plus, c'est pas grave. Très bien, bah écoutez voilà on est plutôt bien. C'est parfait. C'est quoi là? C'est des quêtes annexes que les gens nous donnent? Ouais c'est des primes. Ok. Des vignes. Des vignes partout. Ce temple est consacré à Dionysos, le dieu du vin. Oh ! Voilà qui plairait à Marcos. Je suis caché. C'est bien foutu, hein. La physique est plutôt pas mal. Je me sens bien ici. C'est un peu mon chez-moi. En fait, savoir que ma mère est dirigeante de cette île, ça me rassure, ça me fait du bien. J'ai l'impression que rien peut nous arriver ici. C'est cool. Youhou! Bon alors, on va regarder du coup où est la prochaine... Ah, elle est là, ma mère. On peut aller lui parler? Ouais, parce qu'elle a des quêtes, elle. Elle a une prime à nous passer, par exemple. Parler à... Ah non, quête d'Odyssée. Attendez, on va aller lui parler, juste pour voir ce qu'elle va nous donner. Ah bah oui, de toute façon, c'est la suite des quêtes principales, ça. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Ces tueurs sont les meilleurs. Tu ne dois plus paraître en public. Ils vont te trouver. J'ai parfaitement compris. Mais je dois me montrer. Le propagandiste a bien fait son travail. J'ai besoin d'autres soutiens pour attaquer Barros. J'ai déjà vu trop de gens mourir. Je t'en prie, quitte cet endroit. Et elle va jamais quitter cet endroit. C'est pas possible. Cassandra, regarde bien cette assemblée. Tu réagis curieusement. On va jouer le jeu. Je vous ai interrompu. Je vous en prie, reprenez votre discussion. Ça a l'air fascinant. Je venais de dire à ta mère que les meilleurs hommes du culte la cherchaient et que cet endroit est trop exposé. Et j'ai répondu à Aspasia que je devais apparaître en public afin de conserver l'appui des habitants. Tu veux que je m'occupe des hommes du culte? Pas seulement. Sans preuve, la population ne croira pas à l'implication de Paros. Il faut que tu la trouves. Entendu. Bien. De mon côté, je vais faire en sorte de m'assurer des soutiens. Fais attention, ils sont dangereux. Je sais. On les connaît bien, les membres du culte. Hein. Ne t'inquiète pas, maman. Ouais, je trouvais ces tueurs. D'après tes sources, par où dois-je commencer? À mon avis, par les grottes du Mont Zas. Les adeptes du culte sont tellement imbus de leur mystique qu'ils sont assez prévisibles. Je doute qu'un homme envoyé pour te tuer accepte de révéler pour qui il travaille. Tu as raison. Mieux vaut une preuve matérielle. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Bien sûr. Je serai ravi de vous aider. Je vous retrouverai plus tard. Très bien. Alors... Du coup, on va devoir aller tuer des membres du culte, mais directement sur l'île. Ou alors, on va devoir aller sur Paros. Donc là, on a trois quêtes principales.
Alors Cassandra savait qu'affaiblir la puissance nationale de Paros offrirait l'avantage à Naxos, chose dont Myrine et la population de l'île avaient désespérément besoin, réduire les moyens de Paros. Du coup, cette quête, on va devoir se diriger sur leur île, je suppose. Ça c'est une quête un peu généraliste du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit précis, on peut les... Ouais, piller le coffre du trésor public, détruisez le ravitaillement de guerre, tuer des soldats athéniens. Ouais, cette quête on va pouvoir la faire à tout moment en fait, c'est une quête un peu globale. Du coup je vais plutôt me concentrer sur les autres quêtes pour l'instant. Donc là voilà, on va devoir trouver et éliminer les tueurs. Très bien, donc ils se trouvent au nord de la ville. Comme ça au passage on va débloquer... Est-ce que j'essaye de prendre les autres quêtes au passage? Ouais, on va prendre la prime ici. On va prendre les contrats sur le tableau d'affichage. Je sais plus si je les ai prises. Si je les ai pris, excusez-moi. Et on va prendre la quête annexe juste là. Parce que si on a des quêtes à faire au même endroit, on va en profiter. Et ensuite on ira récupérer le lieu non découvert juste à côté. Très bien, bah écoutez, on a du boulot. Allons-y. On a des choses à faire. Alors. Non, mais je voulais pas. Ah, mais il fallait le tuer en fait, lui, j'avais pas compris. Je croyais que c'était une quête. Je croyais qu'il allait me donner une quête. D'accord, j'avais pas vu. C'est un mec à tuer, donc on avait déjà pris les primes et tout ça. D'accord. En fait, les primes, c'est vraiment bon pour l'expérience, quoi. Parce qu'il y a rien à faire. J'aurais pu l'assommer également. Hein. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais sur le coup, j'avais pas compris. Je croyais que je pouvais lui parler. C'est pas grave. Vous allez pas m'en vouloir, hein, ça arrive. J'allais dire ça arrive à tout le monde, mais non, généralement ça arrive qu'à moi. Je vais aller regarder si on a. Normalement, on a récupéré tous les contrats et les primes, puisque quand on est arrivé sur l'île, on les avait récupérés. Ok, on a deux primes encore, bah écoutez, parfait. Au changement, Phoenix doit choisir. Cet artiste a sévi partout. C'est ce que j'appelle de l'antipathie. C'est l'œuvre d'un lâche. S'il le pensait vraiment, tu aurais une lame sur la gorge à cet instant. Tu as vu cette foule? Les mots ont du pouvoir. Ils sont probablement en train d'en discuter en ce moment même. Ce rebelle cherche à attirer l'attention. Il faut que quelqu'un la lui accorde. Je suis d'accord. Et je crois que ce quelqu'un devrait être toi. Dis-moi où le trouver, et j'arrangerai ça. Regarde ce pigment. C'est une couleur très rare, et je ne connais qu'un artiste qui l'utilise. Aux dernières nouvelles, il vivait dans une grotte à la cascade de Rutsuna. Rutsuna. Ses autres œuvres sont aussi délicates? Du même genre. Des menaces de mort. Il faut que les choses se calment à Naxos, ou Phoenix mourra pour laisser place à un autre archonte. Je sais que les artistes sont à fleur de peau, mais celui-là est clairement mécontent. La cité pense que la guerre approche, et elle n'a pas tort. Mais elle pense aussi que c'est Phoenix qui l'amène au désastre. Je vais m'en occuper. On ne peut pas répondre à ces provocations par la violence. Cela ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Si c'est ce que tu veux. Ce qu'elle veut. Phoenix cherche à se battre pour le peuple, mais pas contre lui. Mets simplement un terme à ses activités artistiques. Artistiques? Comme tu y vas. Bah après, l'art, quelqu'un peut trouver ça beau. Hein. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Alors du coup, on vient de récupérer cette quête. C'est à 10 mètres. Examinez les graffitis. Ça provient de celui qui a écrit ce message. Je vais l'apporter au marchand d'art. Il y a d'autres choses à analyser? Je peux lui parler à lui? Ah oui, je peux lui parler. J'ai des choses à te demander. Vas-y, les clients sont rares. J'ai trouvé ces fragments de roche près des graffitis. Ça te dit quelque chose? Ça, ma chère, c'est de l'émeri. Beaucoup d'artistes l'utilisent. Mais dans cet état, elle ne fera pas briller la poterie. De l'émeri? La roche? On en trouve sur Naxos? On en extrait près de la cascade de Rutsuna. Il nous l'a dit en plus déjà. Merci. À bientôt. Mais il nous l'avait déjà dit en plus, ça. Tu m'achèteras peut-être quelque chose. Non. Mais il y a encore des choses à fouiller là? Je comprends pas. Rechercher des groupes de gens observant les graffitis. Ah d'accord, ok. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait des graffitis un peu partout. Ok.
couleur est étrange. Je devrais demander au marchand d'art ou l'artiste à faire. Oh, fais attention, tu vas brûler ton casque. Fais attention, Cassandra, voyons. Alors. Et j'ai cru qu'il y avait encore un graffiti à l'intérieur. Non, il n'y a pas d'autre graffiti ici. Il y a Phobos qui fout le bordel. Où est-ce qu'il peut y avoir encore des graffitis? Ah, ici. Pardon. Des poils collés dans la peinture. Ils viennent peut-être du pinceau qu'on a utilisé. Je dois demander à Agelos. J'ai des choses à te demander. Vas-y. Les clients sont rares. Je n'ai vu ce pigment que sur ces graffitis. Est-ce que quelqu'un t'en a acheté? Maintenant que tu en parles, je me souviens d'un homme qui m'a demandé cette couleur. Un seul? D'après mes souvenirs, oui. Je n'en avais pas à disposition. Il avait l'air impatient et m'a demandé si quelqu'un d'autre en fournissait. J'ai trouvé ces poils dans la peinture des graffitis. Est-ce que ça te dit quelque chose? Beaucoup d'artistes de Naxos utilisent des poils d'animaux pour fabriquer leurs pinceaux. Et de quel animal proviennent-ils? Trop long pour venir d'un cerf. J'ai entendu dire que certains audacieux prenaient des poils sur les ours de l'île. Pour moi, il faudra être fou. Mais avec les artistes... Merci. À bientôt. Oui, et tu m'achèteras peut-être quelque chose. Il vient d'insinuer que les artistes, c'était tous des fous. Parce que ça l'étonne pas, hein, que ce soit un artiste qui a fait ça. Donc bon. Très bien. Alors, je dois me diriger où maintenant? Alors, j'avais pas prévu de faire une quête annexe, mais bon, écoutez, on va la faire. Trouver l'artiste et s'occuper de lui. Ah d'accord, donc on a déjà sélectionné la quête. Il est là-bas, à 300 mètres. C'est un peu loin, on va appeler Phobos. Alors c'est où exactement il se trouve là? Très bien. Ici on a quoi? On a une prime, on a un mec à tuer. On ira juste après. Allez. Alors faut savoir que les quêtes principales suivent votre progression. C'est-à-dire que si par exemple là j'étais level 30, la quête principale serait level 30. Donc même si on gagne beaucoup de level, quoi qu'il arrive, ça facilitera pas le jeu. Les quêtes seront forcément notre level. Bah il est dans cette grotte, hein, certainement. Je l'ai trouvé. C'est trop joli. Tu es l'animal perdu, quoi? Tu es l'animal alpha. Oh non! Enfin, oh non, enfin c'est un animal légendaire. L'animal alpha. Il est pas à l'intérieur de la grotte, l'animal alpha, non? Ok, il y avait un animal alpha proche d'ici, mais je crois qu'il était pas à l'intérieur de la grotte, il était à l'extérieur. Ah! J'ai rien dit! J'ai rien dit, mon dieu. Mais c'est lui l'artiste? Oh, il est gros! Il est tellement gros! D'accord. Le feu, ça brûle! Oh, tu vas brûler, mon gars. Oh, tu vas brûler. Putain, il est géant. Il est beau. Non, mais... Au sol. On va reculer. Ouh là là. Alors, j'ai vraiment du mal, hein, avec les commandes. Hein. Ça va le faire, vous inquiétez pas. On a amélioré tout d'autres stuff, ça va le faire. Non, on voit pas grand chose en fait, c'est ça le souci. Dégage! Au sol. Non, 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 je suis coincé. On va reculer. On recule. Allez, c'est parti. On va le terminer avec le feu. Le feu! Plus on voit mieux. Yes. Ouh. Que 29 de cure souple? Vous êtes sérieux? C'est pas grand chose. Ah, c'est bien là, il y a du fer. Un casque de guerrier perse. Désolé mais bon.
J'ai amélioré un casque légendaire. Ah, il y a un passage là, mon dieu. Oh là là, très bien. Donc c'est sa planque. Tiens. Ah, il y a des tableaux. Enfin, des toiles. Ah, mais il est là, ok. Te voilà. Je te cherche depuis un moment. Et tu es? C'est Phoenix qui m'envoie pour mettre un terme à ta carrière artistique. Tu es là pour me tuer? Disons que ça dépend de toi. Je t'en prie, Mistios. Phoenix est une bonne dirigeante. Tu peux lui dire, je ne suis que la main, pas la tête. Tu as autant de courage qu'un mouton. Tu écris des choses auxquelles tu ne crois pas. Je ne savais pas que ça irait si loin. Pourquoi as-tu fait ça? On me l'a demandé, c'est une commande. Ces gens-là sont puissants. Essaie de leur dire non, tu verras. Moi, je l'aurais fait. Car je ne suis pas une larve. Mais je suis pauvre. L'Archonte m'a promis une fortune, une montagne de drachmes. Et regarde où ça t'a mené. Je vais arrêter, je te le promets. Je n'écrirai plus rien. Il m'a l'air d'être assez... Ouais. Si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas vieux. Plus un seul graphique. On va lui mettre un coup de pression, quand même. Tiens, la commande. Regarde. Bon, c'est terminé. Tu n'entendras plus parler de moi. Merci. Contrat d'artiste. Eh bien écoutez, c'était plutôt simple. Dixit, le mec qui a galéré à trouver l'entrée. Très bien. Bah voilà, petit coup de pression à l'artiste. Il se calme. Parfait. Alors, bon, on va aller juste faire le... on va aller tuer le mercenaire là, qui est pas loin. On a une prime avec un mercenaire ici. On va aller s'en occuper et ensuite on se dirigera vers le lieu non découvert ici pour débloquer le téléporte. Et on essaiera de trouver et éliminer les tueurs pour la quête principale. On n'aura pas le temps de faire toutes les quêtes principales dans cet épisode les amis, ça m'étonnerait. Non c'est même pas ça m'étonnerait, c'est sûr en fait, on n'aura pas le temps de faire toutes les quêtes principales. Tu peux venir là Phobos? Yes, t'es un bon cheval. Un bon cheval. Même à la montagne, tu te débrouilles. Hey. Ah, attendez, je vois pas exactement où c'est. On va mettre un... Voilà. On va mettre un marqueur. Apollodas. C'est quoi déjà les signes ici? Ah oui, c'est des quêtes annexes aussi également. Il est là? Bon, on va le tuer tranquillement. Ouh là là, alors juste à côté de lui, il y a un gros mercenaire. C'est un peu compliqué du coup. Ah, j'avais pas sorti mon épée. Oh, quel débile. Oh là là, j'avais pas sorti mon épée, mon dieu. Mais il s'en fout, l'autre à côté? Non, c'est pas lui que je veux taper. Mais il s'en fout complètement, en fait, l'autre à côté. Ok, mais j'ai de la chance parce que le mercenaire à côté, il réagit même pas. Je sais pas si c'est voulu, ça m'étonnerait. J'ai l'impression quand même qu'ils étaient ensemble. J'ai toujours du mal à changer la roue. Ah non, faut pas que je le balance sur lui, ce serait dommage. Ce serait dommage de le toucher maintenant. Allez. Qu'est-ce que t'as essayé de faire là? C'est moi ou il a mis un coup de poing dans le vide? Poussez-vous les paysans, s'il vous plaît.
Je vous mette pas un coup d'épée de feu sans faire exprès. C'est dommage pour vous. Ça brûle, non. Eh bah si. Eh bah si, mon petit. Oh my god. Non mais, il est sérieux? Oh putain la vache. Il m'a fait tellement de dégâts là. Non. Allez, on met l'épée de feu. Voilà. Et là on y va. Non. Pourquoi lui il prend pas de dégâts? C'est dégueulasse. Allez, c'est bon. Yes! Non mais l'autre mercenaire, il est en train de dormir ou quoi? Il s'est endormi sur son cheval peut-être, je sais pas. Je préfère ma place. En même temps, je comprends, il fait nuit. Il fait nuit, lui il dort. Macaron l'invincible. Macaron l'invincible. Il est beau. Avance. Très bien. Bon, maintenant on va se diriger du coup pour aller récupérer. C'est quoi ça? C'est une quête. Non mais on va pas faire une nouvelle quête annexe. J'aimerais bien terminer en fait cet épisode par cette quête principale en allant éliminer les tueurs en fait. Ouais, on va faire ça. On va se diriger directement là-bas. Alors si j'active la conduite automatique, est-ce que ça va m'emmener là-bas? Parce que là je vois vraiment par où. Je vois vraiment pas par où on peut passer. Il y a un chemin jusqu'au bout là-bas. Et là on va remonter aussi. Ah, il y a un chemin, d'accord, je vois où on va passer. Ouais, c'est bon, c'est par là. Parfait. Let's go. Ah, excusez-moi, hein, si je tourne la caméra, c'est parce que je regarde le retour. Et j'ai l'impression que sur le retour d'OBS, ça lag tellement. Mais c'est uniquement sur le retour que ça me fait ça, parce que après, quand je lance la vidéo, j'ai pas cette impression de lag. Et en fait, le souci, c'est quand on joue. Moi, j'ai tellement de FPS en fait sur mon jeu. Je dois tourner, sans vous mentir, à au moins 200 FPS. Mais sauf que sur la vidéo, quand j'enregistre, elle est à 60 FPS. Du coup, quand ensuite je regarde la vidéo, j'ai l'impression que le jeu lag, alors que pas du tout. C'est juste que moi, je m'habitue tellement au nombre d'FPS sur mon PC que ça me fait bizarre par la suite. Donc là, on a un fort. Oh non, mais moi, je veux pas faire le fort. Hein. Non. Oh, pas tout de suite, en tout cas. Hein. Non, mais moi, je veux... Non, mais moi, je veux pas faire le fort. Hein. Ou alors, on est obligé de le faire. Peut-être que les tueurs sont parmi... sont dans le fort. L'entrée d'une grotte. Ils sont là-dedans. Où ça? Là, la grotte? Là? Ça, c'est une grotte? Ok, non, c'est là-bas. Donc le fort, non, le fort n'a aucun rapport avec la quête. Mais vous inquiétez pas, on le fera quand même le fort. Je vais essayer de faire un maximum de choses sur cette île. C'est juste que là, je veux au moins terminer cette quête principale qui est juste ici. Ah, peut-être pas sauter d'ici, ça fait un peu haut. Si j'étais sur Phobos, je pense que j'aurais tenté. Mais là, sans Phobos, c'est un peu compliqué. Alors, on a deux trésors à piller et un ostracon à trouver. Discrétion. En vrai, c'est tellement impossible d'être discret dans une grotte, parce que là, même si elle est lente, même si elle se déplace lentement, les pas dans une grotte, tu les entends, mais de tellement loin, ça résonne comme pas possible. Le moindre bruit est entendu à des kilomètres. Voilà, la grotte n'est pas aussi profonde, mais pas y compris. Alors, il y a du monde ici.
Il y a du monde. Alors si je tue lui, est-ce que je peux me permettre? Je dirais qu'on va sauter sur lui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui s'est passé. Mais vous êtes des petits gardes, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, bien joué toi. Je me rappelle de l'époque où à chaque fois on faisait notre gros coup pour enlever leur bouclier. Ah là là. C'est la bonne époque ça. Oh. Mais les gardes athéniens basiques sont tellement nuls. Il reste un garde en haut, je crois. On va scanner la zone pour voir où sont les trésors. Attendez, mais on est arrivé d'où là? Ah non, on est arrivé de là, d'accord. Donc c'est par là. Parce que je sais plus où on se trouve quand on fait des assassinats à distance et qu'on commence à sauter un peu sur tous les ennemis. On est un peu perdu après. Le trésor. Yes. Une lance en or. Je peux aller la revendre. Je crois pas qu'il y ait d'autres trésors ici. Je pense que le prochain trésor il est un peu plus loin. Parce que la grotte n'est pas terminée. Ah, on a les personnes qu'on doit tuer. Elles sont juste là. Ah mais c'est carrément, c'est bien un temple pour les membres du culte hein. En tout cas ça y ressemble hein. Il y a des statues. Et bah écoutez, on va sauter sur eux hein, directement. Salut. Je pouvais pas enchaîner sur elle, c'est bizarre. Et c'est la fin pour toi. Désolé. Non mais non, s'il te plaît, arrête d'esquiver, tu m'énerves. Au sol. Ouais, il m'a saoulé. Il m'a tellement saoulé. Trouver des informations sur les tueurs. Des drachmes portant toutes le sceau de Paros et une lettre. Rédigé en code. D'accord. Ouais, je sais pas. Moi, je sens que les mecs de Paros sont avec les membres du culte. Pourquoi ils nous attaquent autant comme ça? C'est pas juste une guerre de territoire. Ça me semble trop bizarre. Multétu, si tu grimpes tout en haut du mont Zaz, tu verras deux petites îles au sud. On ne peut me trouver que sur une de ces îles, dans un tas de foin, près d'un âne tranquille. Décide-toi, le dernier voyageur est mort de faim à force d'hésiter entre les deux. D'accord. Il nous manque quoi là? Il nous manque un trésor? Ah, il y a un trésor derrière. Oh putain de merde. Il y a un gros trésor derrière. Ouf, arc accroché légendaire. Malheureusement, j'ai augmenté mon arc la dernière fois. Alors bon, ils ont exactement le même level, mais là on a quoi? Les flèches ordinaires deviennent toxiques, ok. Plus 12% de dégâts de poison. Ah tiens, on va tester, du coup. Ça peut être cool en vrai. Très bien. Alors on a fini la quête du coup là? Retournez voir Myrine, d'accord. Et l'autre quête, du coup, on va forcément devoir aller sur Paros pour aller libérer Neas, l'amiral de la flotte. Ça, on le fera au prochain épisode, du coup. Très bien. Bah écoutez, je vous propose de terminer en allant au moins récupérer l'aigle, récupérer le lieu de téléportation. Et ce sera pas mal. Consultez le menu équipement, vous disposez d'un équipement meilleur que ceux que vous avez actuellement en main. Oui, mais attendez, on va pas regarder à chaque fois. Alors généralement dans les grottes on n'est pas obligé de faire le chemin arrière, je pense qu'on peut trouver... Attendez, on est arrivé d'ici. Il n'y a pas une autre sortie, d'habitude il y a toujours une autre sortie. Bon, c'est pas grave. Bon, il y en a certainement une, j'ai la flemme d'y aller, c'est pas grave. On va faire le chemin à l'envers. C'est bon? C'est quoi ça? Hein? Main non identifiée? Des drachmes? Un minerai d'oricalque. Il avait un instrument dans les mains, une sorte de guitare. Ah, on doit scanner ici. Oh là 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 là. Là-bas c'est quoi du coup? Ah, là-bas c'est Paros. On arrive à apercevoir un peu toutes les îles.
Ah bah il y a des îles un peu plus loin encore. C'est beau bordel. C'est beau. Donc je pense que la prochaine fois on ira directement faire le fort qui est pas loin. C'est un fort spartiate je crois. Non ça m'étonnerait. Non puisque les spartiates sont avec nous là actuellement pour défendre Paros. Bon enfin bref, il y a un fort, on est passé à côté tout à l'heure. On ira le faire et ensuite on rentrera. On ira directement aller sauver Eneas directement là-bas sur l'île. Voilà. On retournera même pas en fait à la ville tout de suite. On retournera voir Myrine que quand on aura fait les trois quêtes principales. Voilà. Donc le fort est où? Le fort est juste ici. Donc on ira au fort au prochain épisode. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode d'AC Odyssey. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, donc je vous ai dit ce qu'on fera au prochain épisode. Merci encore à tous de suivre l'aventure. Parce que là, j'essaye d'aller un peu plus vite que d'habitude dans les épisodes et faire des épisodes un peu plus longs. Puisque comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai envie de terminer le jeu avant que Red Dead Redemption 2 sorte. Ça va être impossible, je pense. Parce qu'il me reste encore pas mal de choses à faire pour terminer le jeu. Mais voilà, j'essaierai de le terminer le plus rapidement possible. Parce que Red Dead Redemption 2, ça va être aussi un gros jeu à faire. Et ça va nous prendre beaucoup de temps. Et beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc voilà. Merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis salut.